cessez-le-feu. Voilà les mots que nous prononçons depuis plus de 2 semaines désormais et qui nous valent tombereaux d'insultes et menaces de mort. La gravité du moment appelle pourtant à la solennité et au sérieux, pas aux polémiques franco-françaises. Depuis 2 semaines, nous sommes repeints en antisémites par des irresponsables. Notre tort, appeler à la paix et parler de crimes de guerre. Je le redis avec force, contre les antisémites, nous nous tiendrons comme nous l'avons toujours fait, aux côtés de tous nos concitoyens de confession juive. Puisqu'il semble si difficile à certains de l'entendre, peut-être parce qu'ils ne partagent pas en réalité cette position, nous condamnons tous les crimes de guerre, tous sans exception. C'est le point de départ nécessaire pour œuvrer à la médiation et à la paix. C'est la réalité, c'est le courage de la paix.